Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je sais que je faisais un vlog. Là, pour vrai, je sais comme pas trop où mettre mon cellulaire. Mais j'ai repris mon ancien téléphone parce que mon téléphone, mon nouveau téléphone, là, comme ça, je suis vraiment triste parce que je l'avais pris exprès parce que je trouvais que, parce qu'il y avait un meilleur pixel, là, une meilleure qualité résolution. Mais pour les vidéos, sérieusement, ça lag vraiment, puis c'est vraiment pas génial. Donc, je suis très triste parce que je l'ai payé plus cher exprès parce que je voulais vlogger avec, puis finalement, ben, non. Donc, c'est ça, aujourd'hui, nous sommes lundi. Il est présentement 10h40, je suis toute prête. Je suis debout depuis 9h30. Mon cadran avait sonné à 7h, mais j'ai fermé mon cadran, puis je me souviens absolument pas de qu'est-ce qui s'est passé après. Donc, je me suis juste vraiment rendormie. Une chance que je devais pas aller à l'école. Mais c'est pas tellement grave parce que, en fait, je devais me lever parce que j'avais des devoirs à faire, tout ça. Mais c'est pas tellement grave parce que j'ai fait des devoirs jusqu'à 1h du matin hier. J'avais beaucoup de lectures hier soir. J'ai été super productive. Mon doux, j'étais vraiment fière de moi. Je vais tenir mon téléphone, ok, ça me gosse. J'ai été vraiment super productive. J'étais comme particulièrement fière de moi, là. J'avais beaucoup de choses à clairer, puis j'ai été quand même productive là-dessus. Je suis comme un peu contente, là, que mon... Ben, je suis pas contente, mais tu sais, je suis comme un peu contente. Je vais peser mes mots parce que je veux pas que ça sonne comme il faut pas que ça sonne, mais que mon cheval soit à la retraite, dans le sens où j'ai plus autant de temps à mettre dans mon entraînement. Elle, je pense que ça lui fait vraiment du bien aussi, là. Elle a l'air comme super heureuse cette semaine. Puis elle a vraiment graissé, mon dos est rendu obèse. Ben, elle était déjà pas très mince, là. Elle était comme... Elle avait une bonne réserve. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, en fait? Pas grand-chose. J'avais quand même beaucoup de devoirs à faire. Faut que je termine un travail de traduction, puis qui est à remettre à 4h cet après-midi, donc j'ai encore du temps, mais oh mon Dieu, sérieusement, la traduction, c'est vraiment plus difficile que je pensais. Vraiment. Je me suis mis du vernis. Je sais pas si vous allez voir vraiment la couleur, là, mais il est vraiment beau. Je sais pas si j'ouvre la lumière, si... Il y a tellement eu un bruit bizarre dehors. Ah là, on voit mieux. Il est vraiment beau. C'est le... Ça faisait partie de la collection de Noël de Gwen Stefani. C'est dans les OPI. Profité pour mettre du vernis hier soir. Ça m'a fait du bien à mon moral. Puis pas que j'étais down, là. Mais je sais pas qu'est-ce que j'ai depuis comme 3 jours, là. Je suis genre triste tout le temps, mais je suis pas dans ma... Je veux pas être dans ma semaine, je sais pas. Fait que c'est ça. J'ai des lectures à faire. J'ai des devoirs à faire. Voilà. Rien de vraiment palpitant. Je veux m'acheter... Je vais vous montrer ça, là. Mais je veux m'acheter des nouvelles chandelles. Là, la seule chandelle que j'ai, je vais vous la montrer, mais c'est la Coconut Cream Pie que mon chum avait achetée. Excusez. Dites pas à vos souhaits parce que j'ai déjà essayé puis ça marche pas, cette affaire-là. J'ai jamais gagné mon 1 000 000 $. Ah, puis en passant, comme si j'avais pas été assez malade dans le dernier mois, là, j'ai pogné le rhume. Ok, donc je m'excuse, là, si ma main va être un peu shaky, là. L'automne, c'est vraiment ma saison préf de toute la vie. Je pense que je vais me commander quelques savons en main. Mais là, je veux que vous me disiez, je veux que vous m'aidiez, ok? Je veux savoir c'est quoi les meilleures odeurs d'automne, ok? Qui sentiront pas comme too much, là. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup la automne. Donc, elle, je voulais me la commander. Mais tu sais, j'en veux pas 45, là, parce que ça me donnera comme pas grand-chose. Tu sais, j'en brûle quand même beaucoup. Là, il y a comme plein d'affaires. Pumpkin Spice Cake. Dites-moi, c'est laquelle qui est la meilleure? Parce que j'ai vraiment aucune idée. Il y a les comme ça aussi. Je les trouve cute, mais j'aime mieux les beaux petits designs, là. Puis là, moi, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent les chandelles de Noël. Je sais que c'est vraiment pas le temps. Mais j'ai vraiment hâte qu'ils sortent les chandelles de Noël, parce que je veux me racheter mes chandelles préf de Noël. Fait que c'est ça, je sais pas quel choisir. Oh, dans les sels, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Oh non, c'est juste les... Oh, checker le petit bout, comment il est cute. Oh, j'ai jamais acheté ça, moi, les trucs. De même pour les... Faudrait peut-être que je l'essaye. L'autre chose aussi que je voulais vous montrer...
Je vais faire une commande sur The Body Shop parce que là, j'ai plus de body butter. Et j'avais vu aussi une fille qui parlait de ça sur... Attends, je vais essayer de vous le montrer là, si je le retrouve. Primers. Qui parlait... j'ai regardé hier des vidéos de foundation routine pour les peaux grasses. C'est celui-là ici. Puis elle disait que celui-là, c'était vraiment genre le meilleur primer qu'elle avait trouvé pour la peau grasse. Honnêtement, c'est quand même rare ces temps-ci que j'utilise un primer parce que je trouve que mon fond de teint va juste glisser. Mais je me suis dit que, tu sais, il est quand même pas cher, là, il est quand même 15$. Donc je sais pas, mais en fait, ce que je voulais vraiment m'acheter... The Body Shop, en plus, ça ne teste pas sur les animaux. Donc je voulais m'acheter, oui, mes body butter... Mais en fait, ce que je voulais essayer, je vous avais parlé que... Non, en fait, je vous en ai pas encore parlé, c'est vrai. C'est dans une vidéo que j'ai pas encore mis en ligne. Mais, je m'excuse là si je renifle. Pour... Ah, c'est vrai, tu peux aller par... En tout cas, c'est un kit là qui est vraiment pas cher pour tous leurs produits pour la peau grasse. C'est celui-là. Ouais, dret ça. Hier, il était en rabais à 35, là il est à 36, mais c'est comme... Oh non, c'était pas celui-là. Ah ok, c'est pas celui... Ceux-là, c'est les vrais formats, c'est pour ça. Mais en tout cas, il y avait un kit de 4, que t'as le nettoyant, la crème de jour, le tonique, puis la crème de nuit. Ceux-là, c'est juste les 3, mais ça, c'est les gros formats. Fait que je trouvais ça quand même le fun de pouvoir l'essayer, puis je me suis dit peut-être que si j'essaye une gamme de la même marque, là, tous les mêmes produits ensemble, peut-être que ça va faire une différence. Hier, j'ai essayé avec Patricia un nouveau café. Si vous venez de Sherbrooke, habituellement, moi, je vais à la brûlerie de café sur Wellington. Mais là, c'était plein, OK? Il y avait vraiment plein de monde. C'était, il y avait plus de place. Puis juste à côté, la porte juste à côté, maintenant, il y a le Cacao 70 qui vient d'ouvrir. Donc, on est allé là. C'était bon. La bouffe, mon sandwich était pas bon. Là. Mon sandwich était vraiment pas bon. Mais j'ai pris un frappé au caramel salé, puis c'était la meilleure chose que j'ai bu de ma vie. Je viens de me faire un, dans ma petite tasse, un genre de chocolat au lait, ça peut faire le focus, mélange pour chocolat blanc, à chocolat chaud à saveur de chocolat blanc. Faut vraiment aimer ce qui est sucré, mais bon. Je vais vous montrer, là je garde mes pots de chandelle vide. Ah, j'en ai deux pareils! Ah, je l'avais aimé, hein. Je pense que c'était ceux du Target. Ça, je les garde parce que dans le fond, je veux les vider. J'ai juste pas pris le temps. Mais ça, c'est les deux chandelles que je veux me racheter pour quand ils vont sortir. La This The Season. Puis la Apple Spiced Apple Toddy. C'était vraiment mes préférés. On est vraiment dû pour faire l'épicerie. Fait que je sais vraiment pas ce que je vais manger pour le dîner. Il y a de la pizza dans le frigo, mais ça me tente vraiment pas parce qu'on a mangé ça hier soir pis c'est vraiment pas pour moi. Tu sais, j'ai perdu du poids pis ça me tente pas vraiment de le reprendre. Mes cheveux sont vraiment sales. J'ai mis trop de shampoing sec, fait que là, il y a comme trop de volume. Puis je suis comme tannée de me faire une toque sur la tête. Je pense que ce que je vais faire, là, j'ai du linge à ranger, mais je pourrais prendre une petite pause. Il y a plus grand chose dans mon armoire non plus. Ben je pourrais me patenter quelque chose, mais je pense que je vais juste me faire, okay, jugez-moi pas, là, j'aime vraiment ça, mais juste les soupes aux tomates comme ça, là, moi j'aime ça, juste rajouter du lait dedans, tu la fais réchauffer, puis ça te fait comme une petite soupe aux tomates. Ouais, non, il y a définitivement plus rien, faut vraiment que, je pense que je vais me faire ça. C'est vraiment simple, puis ça prend 30 secondes, puis c'est ça. C'est juste quand j'ai vraiment pas faim, mais c'est quand même très rare que j'ai faim. En fait, je suis pas une fille qui mange beaucoup, mais ça, c'est vraiment juste parfait pour moi. Quand on mangeait ça. Alors, voici ma grosse gastronomie du lundi après-midi. Il est midi 55, je vous ai compté un mensonge tantôt. Mais je mets vraiment beaucoup de persil dedans. Ça a l'air bizarre, mais c'est vraiment meilleur avec vraiment beaucoup de persil. Fait que voilà, c'est pas bien compliqué. Fait que je le laisse se réchauffer. Puis là, je vais me faire un thé. Je me fais couler de l'eau. Ça, c'est des thés que j'ai mis de côté pour ma soeur parce que je les aime pas. C'est les thés de Titaxi que j'ai reçu en cadeau. Donc, oh, checkez ça.
Tom, il m'a acheté ça. C'est vraiment trop cute. Ok, c'est un thé. Je pense qu'il prenait ça au IGA ou dans une épicerie. C'est le thé green tea strawberry. C'est vraiment bon. Là, je sais pas qu'est-ce que. J'ai tous mes thés en haut qu'il faut que j'essaye, mais on dirait que je pourrais prendre un thé noir pour me donner de. Ah, lui, je pense qu'il sentait bon. J'en ai tellement qu'il faut que j'essaye, mais des fois, j'aime. Je suis pas convaincue, ça, un thé à l'érable. On dirait que j'ai peur que ça me lève le cœur. Ou bien, on pourrait y aller avec quelque chose qu'on est sûr d'aimer. Un petit chai à la citrouille. J'avais goût de boire noix magique cette semaine. Je sais juste pas où je l'ai mis. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Ça, c'est quoi? Goyave à gogo. J'ai pas assez de thé, moi. Il m'en manque. Ah, nous, c'est ça? Ah, il est là. Non, ça, c'est de l'essor à la réglisse. Voyons! Je suis épuisée. Je suis vraiment fatiguée. J'avais décidé que je prendrais une petite pause pour faire le ménage de ma bibliothèque. Finalement, ça m'a pris 45 minutes. J'ai enlevé, je pense, l'équivalent de ma bibliothèque au complet en termes de livres. Je vais vous montrer à quoi... qu'est-ce que ça donne. Donc ça, c'est tous les livres que j'ai enlevés de ma bibliothèque et que je dois me départir. Il y en a là-dedans, surtout dans ce coin-là, c'est tous des livres, mettons, de, du bac à Tom ou plein d'affaires que j'ose pas jeter parce que d'un coup j'ai besoin, mettons, de les lire dans un cours de littérature. Ah, mon Dieu. Je vais mettre ça dans une boîte puis je vais donner ça à je sais pas trop à qui, là. Ça, c'est ce que donne ma bibliothèque. C'est beaucoup plus joli qu'avant parce que j'avais tout le temps comme deux rangées puis j'aimais pas ça. Ça, c'est les cartes de mon mariage que je sais vraiment pas où ranger. J'ai juste mis ma carte la plus précieuse de ma tante Ginette. Je la cherchais puis je l'ai retrouvée. Je suis tellement contente, j'ai comme eu une petite émotion. Fait que ça, dans le fond, en haut, j'ai tous mes livres avec la carte de mariage de remerciement de mon amie Roxane. Tous mes livres, dans le fond, chrétiens. Ça, c'est tous mes livres, dans le fond, d'école, de la session. Je les garde tout le temps ensemble. Ça, c'est mon cadeau de fête de moi à moi. Là, j'ai comme tous mes autres livres. Ici, j'ai essayé de mettre toutes mes séries ensemble. Twilight, Harry Potter. Il y a juste un Harry Potter que j'ai mis là, parce qu'il rentrait pas. Les filles de Caleb, puis j'ai deux livres d'Hélène de Champlain. En bas, j'ai mis toutes les cartables d'école, toutes ces affaires-là. J'ai tous mes dictionnaires. En bas, ici, j'ai tous d'autres dictionnaires. J'ai toutes mes Bibles, Nouveau Testament, etc., que je me sers pas. Là, j'ai plein d'autres livres, puis tous mes livres de poche sont ensemble. Ça, c'est des livres de Tom. Puis ça, c'est pas considéré, d'accord? Il faut que je range ça. Puis là, en haut, j'ai mes... Ça, faut que je le... Il est pas à moi, là. Faut que je le redonne à mon ami. Mais j'ai toute ma série de Mortal Instruments. Ça, c'est pas à moi. Faut que je le redonne aussi. Puis ça, ben, c'est un mess. Qu'il va falloir que je décide qu'est-ce que je fais avec ça. Oh, yeah! Regardez comment il est beau. Regardez comment il est beau, mon petit lapin, avec son nouveau chandail. Les élèves m'ont dit qu'il était beau, mon chandail aujourd'hui. Moi, je suis pas le gaga parce qu'on fait une sortie en amoureux. Mais ils vont dire, c'est pas qu'il fait chaud, un chandail à l'âme. Je dis, ouais, mais mon chandail, il est tellement beau. Oh. On s'en va voir, Tommy est venu me chercher à l'école. Puis on s'en va voir le labyrinthe qui est... Ah, oh, ben oui, t'as raison, c'est bien plus vite ici. Oh, le nombre de fois qu'elle t'as raison. Oh, je te dis pas ça. Hey, check le ciel, comment il est beau là-bas. On voit-tu? De toi, il faut faire un petit bruit. Oui. Faudrait vraiment qu'on aille voir. J'ai sorti les choses hier. Il me reste juste à relever les mains et faire le ménage. Là, qu'est-ce qu'il reste? Fait qu'on s'en va voir la terre brûlée. Je suis full énervée parce que tout le monde m'a dit que c'était bon. Puis moi, je vois tout le monde venir au cinéma. Puis là, tous on va au cinéma ensemble. Yeah, right. Puis c'est rare que j'ai hâte d'aller au cinéma parce que... Quand ça fait 2 jours et demi que je suis couché sur le dos, m'a l'air d'être... Hey, t'as l'air d'aller mieux. Là, je suis comme... Bibi, il est malade. J'ai deux cellules dans mes poches. Je me suis dit, je vais les mettre dans mes poches au cas où j'en ai besoin. Je les ai pas pris, ils sont encore là. C'est fou, hein? Yeah. Après mon virus de zombie, Tom, il a pogné un petit virus aussi.
de leur filet après. Chérie, je veux me couper les cheveux. Tu veux te couper les cheveux? T'arrives, la coiffeuse, ça. Check, je pourrais pas être comme ça. Ok, fait que c'est ça, on va se reparler tantôt.